Bonjour, frère Maxime, yo, comment nous c'est JFL Cuisine Creole, j'en fais dans lundi. Votre chef à la maison qui rentre la caille, nous, moi, dis nous un grand merci. Nous, tout cap suivre moi dis nous merci pour confiance, nous, merci pour chaîne, nous, nous, à faire évoluer ensemble. Moi, salue toute l'autre nation cap suivre moi yo, à travers le monde. Je dis à la m'a préparer pour nous, arroz con pollo. Riz au poulet, ok? Ça, moi-même, moi, j'ai un poulet entier qui m'en prend, ok? Moi, j'avais déjà qu'on a m'en pas coloré, ok? Quand on a moins pas la saisonner, moi mettez sel, moi mettez poivre. Une fois que vous sentez le coloré, vous tournez de côté. Ok, bon côté ça moins pas la saisonner, moi assaisonner l'autre côté. Pas oublier là, moi seulement mettez sel et poivre. Quand on a la moitié, ma fin fait ça, ma déposé là, après ça, moi je fais tout le reste, ainsi de suite, ok? Ok, quand on a mis dans l'autre partie, bien là, qu'on a là, ouais, les deux côtés, ils ont bien coloré. Quand on a pour qui ça fait me faire comme ça, en bas là, en bas, il y a tout gouloir là-dedans, là, tout sucre bien là. Quand on a moins vu de premier, de mettre là-dedans. On a la moins grande viande déjà assaisonnée. Moi, je viens avec un petit mirepoix. Ça, c'est un petit persil. Moi, je mets là-dedans. Ça, c'est une petite carotte. On va mettre un petit mirepoix en cube, ok? Et puis, oignon. On a là, moi, je mets une belle cuillère à tomate là-dedans. Ok, voilà. On a la ma fait viande pour la couleur. Tout ça, toujours, c'est toujours un arroz qu'on peut yon préparer pour nous. Moi, je mets accent sur le poulet. Une fois que la tomate là avec tout le bagage bien prend couleur, ok? Là, qu'on a, je mets l'ail là. Je mets l'ail là-dedans. Pour qui ça fait que je mets l'ail là pendant que je mets tout le mi-poids là-dedans? Parce que la tomate là pour brûler en bas, qu'on a le droit de faire l'ail moins en brûler, qu'on a la perdu goût l'ail là. Je vais montrer tout le goût l'ail moins. Là, viens moi. Ok. Souvelez à partir d'être là où tu dois mettre de l'eau, vous mettez là-dedans. Là. On mettez de l'eau pour mettre la viande. Mais normalement, là, font à l'eau, qu'on peut mettez fait doux, toujours mettez de l'eau à mettre là, ou bien quantité liquide à mettre là, à la hauteur de la viande. Qu'on a moi-même, je vais mettre un petit vin là-dedans, un petit vin blanc. Regarde, mettez une tasse de vin blanc. Waouh! Ça sent déjà bon. Ça sent déjà. Dans la goma, quand tu brûles les calambas, qu'on a avec ça là, mal cherché. Yo, yo le sa sucre. S-U-C. Et voilà. Waouh. Juste là, simplement, il y a un bon goût manger, il sent bon. Et puis, il y a un bon tout là. Ok? Qu'on a mal mis de l'eau. L'eau, moi, je ne vais pas dire combien de tasses liées. Moi-même, je mets l'équivalence là de 3 tasses. Quand tu viens dans là, tiens. Qu'on a mis de l'eau à haute viande. Pour qui ça fait ces haute viande, je mets parce que je vais faire sauce avec. Qu'on a là, je vais faire bouillir. Dès qu'elle finit de bouillir, je vais mettre 10 feux doux sans couverture. Qu'on a actuellement là, les bouillis, ok? Les feux qui font bouillir. Qu'on a là, je vais mettre à 9 pour le bouillir. Qu'on a ça, je vais faire juste mettre à 6. Et voilà. Qu'on a là, m'a quitté le cuit tranquillement, sans couverture, ok? Qu'on a pour me faire petit du riz, moi, mais un petit l'huile, pardon. Moi, je vais faire 2 tasses de riz, ok? Pour yon gros, yon poulet m'gen, moi, yon petit jan gros, ou te genoua, ou même qui la ka, ou te genoua faire avec au moins un bon 4 tasses de riz, ok? Moi, mette l'ail là, dans la chaudière, moi, fais ce l'ail, moi. M'a fait avec un petit poisson gros, ok? On a remarqué, mettez l'huile moins, mettez un petit l'ail et puis mettez poisson gras. Normalement, lorsqu'on fait du riz la carotte, premier soit fait, vous mettez poisson gras d'abord, après on mettez l'ail, vous mettez tout épices ouvrées. Bon. Moi, je fais ça comme ça parce que le goût que j'ai besoin de chercher, c'est pas dans du riz à l'huile. C'est dans le poulet. Ok? Qu'on a là, moi, assaisonné. Lorsque moi, je dis assaisonner poisson gras, ça veut dire nous. Mettez sel, mettez l'ail et puis mettez un petit poivre. Ok?
qu'on a pour finir la durée, moi mettez un petit émincé de piment bouc. Avec j'en nous connais utiliser piment bouc là, m'pas mettre grain là. Moi prend poids, moi juste couper, moi émincé, moi mettez là-dedans, OK? Qu'on a là, on va mettre seulement moi dit nous gagne 2 tasses de riz, qu'on a on va mettre seulement 2 tasses d'eau. Normalement pour 2 tasses de riz, on supposé mettre 4 tasses d'eau. Mais pas oublier nous pas le ça m'a fait, OK? OK, ça me déblier dit nous pour 2 tasses d'eau là. Nous gagne on va mettre bouillon de poulet. OK, me gagne bouillon de poulet, même pas mettre bouillon de poulet parce que poulet m'a fait l'autre bois li gétan, mais poulet m'a cuit là li tellement gain goût. Donc on va besoin mettre bouillon de poulet. N'a pas bien de seulement assaisonner poids et puis mettre de l'eau, on va mettre thym, on va mettre persil, mettre un petit sel qu'on a mettre le bouillir, OK? OK. L'eau a bouilli là, on a découvert, OK? Pas bien de mettre un petit sel déjà pour goûter. Ça va pas parler encore parce que qu'on a la on va mettre du riz. Bouche moi pas gonfler les deux côtés parce que me pas veut dire a pas gonfler, ben faut me gonfler bouche moi. D'accord? On va pas parler. Moi mettre le. Bou. Ma gabale, bon, je vais dégonfler la bouche. Mais si tu es là, qu'on a mis la couverte là sous lui, n'a là, il n'est pas cuit vraiment là. Ok, mais gardez pour nous qui ça va arriver. Diminue, qu'on a mis le vide. Après 7-8 minutes, comme ça, m'a venu. Qu'on a mis le fait nouer pour l'air. Mais pour l'air là, ok, alors dit là, actuellement, si de l'eau sort là, qu'on a fermé le net au complet. Vrai dit viande pour la poco cuite là, mais petit glo ça moi besoin. Premièrement son alose qu'on pour le moi le fait. Moi pas et peut-être ça me pas mettre un peu de glo dans du à l'autre bois. Moi vle pour glo viande s'arrêter dans ça qu'on a pour l'aime pas déposer dans du qu'on a c'est lui même qui pour le cuire du riz pour me touffer la veine. Après on 7 minutes comme ça pas plus. Même vini, garder du riz. Faut guetter en suivre pour pas guetter en alcool en bas hein, mettez la 3. Gat, il pas cocolé, gat, vraiment comme sans cuir. On nous dit les bras, il pas grand rien. À vrai dire, qu'on a mes viande pour là avec toute sauce là-dedans, moi vide là-dedans. Est-ce que nous avons tout petit filtrage, petit viande crasée, c'est sacré les yon à l'ose qu'on peut yo. Gat, tout petit filtrage ça, c'est yon même qui va le faire, les mouns va le manger là, va voir la différence que l'on font à l'ose qu'on peut yo avec juste petit pilon. C'est déjà bien lié là. Alors je dis, je vais mettre un peu d'eau, pas capable de cuire. Regarde, on a mal goûté. Le goût est là. Il y a du sel. Tout est là. Ok? On a pas besoin de mettre rien là-dedans. On a voilà. Il est temps qu'on dirige, qu'on a besoin de tout faire. On a dit, là, il n'est pas capable de grainer. Ok? Et puis tout comme bon bouche, je vais gonfler, je vais mettre du riz. Donc, je vais le gonfler, je vais le presque plein. On a tout fait. Après 30-35 minutes comme ça, qu'on a la main pour découvrir à rose con pollo. Et c'est rectissimo. Ya, yeah, aquí estamos amigos. Et voilà. Le riz au poulet. À rose con pollo. Regarde-moi ça. Pas grand monde n'a pour dire. Moi, qu'on a la main tout fait, pas grand monde n'a pour dire ça pas cuit là. C'est prêt. À rose con pollo. Qu'on a la main pour faire présentation pour nous. Wow. Qu'on a la mbal présenter ti duria pour nous à rose con pollo avec un petit salade, OK? J'ai amené moun. Ça sont maintenant, m'bral mettre un petit salade pour moun nan manger. Petit salade moi faire c'était un petit salade de méliton lié. Un petit salade de chayotte, m'a mettre sous côté le puis m'bay moun nan, OK? Un petit salade à côté là comme ça, un petit chaud froid. On appelle ça chaud froid. Mais ti présentation à rose con pollo a Amel, moi salue. Chaque grand haïtien qui a écouté à travers le monde, moi dis nous merci parce que nous avons suivi moi. Moi dis nous merci pour fierté nous de chaîne nous. Et moi fier de nous-mêmes parce que non seulement nous abonnés, mais aussi nous fait bouche à l'oreille. Ça c'est ma plus grande fierté. OK? Moi dis nous merci parce que nous faisons confiance. Moi mande nous tous les nous gardons cette vidéo, mande nous like les pour moi donner. Les nous like il y a c'est très important, moi bien apprécie ça, OK? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Philippe Doletti, votre chef à la maison qui était rentré la canne, qui était préparé, un petit arrose comme